Jassan, viens, je vais te montrer mon mec. Oh, stop. Quoi? Va là-bas. Ça va barder. Ouais, ouais, ça va barder. Ouais, ouais, ça va barder. Hey. Ah, j'allais dire tchuss. Merde. Voilà, tu vois, quand ça passe. Il veut déjà pas rester avec moi. Oh là là. Hey. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma famille. La famille qui est là tous les 4 ans là. Pourquoi tu fais ce coup ça? Famille. Il faut toujours un truc dans mes mains. Et du coup là je me suis dit qu'ils allaient répondre à toutes les questions que vous posez sur eux. Quoi, tout? Obligé? Ouais. Obligé. Vous répondez honnêtement, pas de langue de bois, vous connaissez comment on est. Vous voulez mettre les gens dans des problèmes. Ça commence. Let's go. Question simple parce que vas-y ça date. Quel âge avez-vous? J'ai 25 ans. Qui est le vieux? Ayane, 25 ans. Quand vous arrivez à cet âge-là, là, ça devient critique. Là. Non, en vrai, ça va. Super. Ouais. Ouais. Moi, Sheila, 23 ans. Putain, mais moi, j'ai mal un peu là. Moi, Shamila, 11 ans. Elle fait déjà notre taille. Mais elle a 12 ans. Elle fait déjà notre taille. Elle a 12 ans bientôt. Et tout le monde écoute, elle a 11 ans, elle fait notre taille. C'est grave. C'est grave. C'est trop grave. Moi, je m'appelle Hassan, j'ai 21 ans, voilà, vous m'avez manqué les gars, donc allez, c'est parti, on est tous là. Je sais pas si on reprend ça, pourquoi vous avez disparu? Bah déjà, c'est trop dur de les réunir tous ensemble. Déjà, on vit plus ici. Nous, pour notre part, moi et mon frère, on vit plus ici. Ouais. Donc déjà, pour se voir et tout. Moi, de mon côté, j'ai mon activité, entre guillemets. En plus, madame est mariée, donc là, c'est encore un peu plus compliqué, faut aller laisser un peu, vous voyez. Mais on est toujours là, hein. On est là, mais sans ouais, là. Ouais, ouais. Ouais, il n'y avait pas la motivation, moi je vous dis les bails. On va revenir, on va faire boum. Voilà, on les déterre. Voilà, tu vois, vous voyez ce que ça donne là? Ça fait trop longtemps. Première question, votre réaction quand votre sœur vous a annoncé qu'elle allait se marier? Machallah. Que dire de plus? T'étais pas choqué? T'étais pas... Choqué? En fait, non, je m'y attendais. Jamais là? Non, choqué. Bah moi, je trouve que c'est normal, même si j'étais choquée. Enfin, je me disais, mais elle est déjà mariée, du coup, ce sera plus trop comme avant, etc. Elle s'est déjà dit purée. Non, moi j'y croyais pas moi. Qu'est-ce qu'elle raconte d'où? Et puis même, je me rappelle la première fois où elle a voulu entre guillemets le présenter. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle me raconte elle? C'était, je sais pas si vous vous rappelez, la finale de Ligue des Champions, Bayern contre Paris. En fait, son mari il est supporter de Marseille. Moi je suis supporter de Marseille. C'est-à-dire le Bayern a gagné. J'étais censé être dans un bon mood, être content. On était ensemble à regarder le match avec ma soeur, chez des amis. Maintenant, elle, dans un élan de folie, elle s'est dit bon. Là, mon mec il est content, mon frère il est content. Fast time. Hey, je vais vous présenter là tout de suite. T'es malade. Jassan, viens, je vais te montrer mon mec. Oh, stop. Quoi? Va là-bas. La honte. Et son mec il attendait un fast time en mode pour présentation. Ouais. Ça va pas, non? Ton mec, bon, tu vas venir, on va serrer la main comme des hommes, on va se regarder, on va discuter. Elle est malade elle, parce que ouais, je suis c'est content. Bon. Paris, Bayern. Non, mais tu connais, c'est comme les mamans quand tu peux signer un mot là quand elles sont en train de dormir. Bah, tu vois, j'essaie d'un peu faire ça, tu vois. Ouais, ça s'est pas passé. Mort. Et même après ça, je me disais, vas-y. Ça va se finir elle dans deux mois. L'opportunité, elle a dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et le temps il est passé, tout ça. Je sais même plus quand je la prends. Ah oui, ah ouais, c'est une dingue. Mais je sais pas, je suis pas. Non, confirmé pas aussi. Du tout. En fait, il s'est passé un truc et genre, je l'ai appris sans qu'elle le sache. Genre, j'ai appris, genre, c'était réel. J'ai une exclu, mais je peux pas sortir l'exclu. J'ai une bombe, mais je peux pas sortir la bombe. En gros, je savais et quand j'étais choqué et je vous jure que j'ai versé ma petite larme quand même. Oh hey. Maïli, il fait dur comme ça, c'est lui la pluie. J'ai sorti ma petite larme, j'étais là, ah, c'est vrai en fait, merde. Donc après quand j'ai vu c'était vrai tout ça, le mari il est venu, je l'ai taquiné un peu au début. Il m'a dit, ça ouf. Genre ils sont là en train de parler, après il touche son bras comme ça, il fait, tu vas à la salle toi? Quelle heure tu fais ça quand tu connais pas quelqu'un, tu le touches et tout? Après j'étais content, je me dis bon vas-y c'est un Comorien, il est grand, il a fait du rugby, il est un peu, voilà, il est pour Marseille. C'est quoi ces critères? C'est bon, et après, voilà, maintenant c'est mon frère, hein, ça ne bouge pas. Mais j'ai, au début, j'ai versé ma petite larme. C'est un peu la même question, tes frères et soeurs vivent comment le fait que t'es marié? Bien. Tu dis la vérité? Toi, arrête de mentir. Hein. Elle aime moi. Enfin, genre, elle aime bien, mais bon. Elle aurait aimé, moi, je l'ai vu plus de temps. Je le vis bien et mal aussi. Hein. Parce que moi, j'aimais bien rentrer dans la chambre de ma soeur. Ouais, genre, elle envoie. Ouais, maintenant, genre, il y a des trucs maintenant tu peux faire et tout. Ouais, j'essaie quand même de garder le lien avec la chambre, mais. Ouais, ça devient dur. Genre parasiter Shaina, là, c'est plus possible. Genre, tu peux pas. Ouais. Bah, en fait, depuis qu'elle est mariée, même. Enfin, elle est mariée, moi, je suis parti. Donc... Moi, on était plus là déjà. Non, mais encore là, ça va. C'est vrai que toi, t'es resté plus longtemps que moi ici. Après, je suis parti. Ouais, mais encore là ça va, mais quand vraiment je vais partir, c'est là que ce sera bizarre. Hein? La chambre que tu vas récupérer des kilomètres. Alors, qui est le plus énervant? PS, continue comme ça, t'es la best. Le plus énervant? Bah, c'est elle, hein, Shamila.
Hassan. Ouais, j'arrête. C'est vous, moi j'ai entre, Chamila, le, ouais. entre vous toi, deux. Ça se passe, toi, toi, c'est Chamila qui t'énerve, Ayane. À l'heure actuelle. Tu t'énerves le plus contre Chamila. Moi, Hassan aussi, il m'énerve. Hein. Il fait des phases, Hassan, il fait des phases tous les jours. Hein. Lui là, hey. Putain. Je vous dis pas, mais il fait des phases. Hein. Des fois, je dis, mais wesh, c'est pas possible, wesh. Hassan, il a trop de phases, wesh. Je sais pas. Mais comme Chamila, elle est en train de grandir. Vas-y, tu vois. À l'heure actuelle, wesh. Où elle vous parasite. Bah oui. À l'heure actuelle, maintenant. Oui. Ayane, non, moi ça va. Ouais, c'est elle, wesh, elle, hein. C'est phase là tout le temps. Ouais, c'est vrai que Chamila, elle commence à avoir des phases. Des fois, même elle commence à parler en mode. Ouais, même fois, elle parle mal et tout. Ouais, en mode, elle a le dernier mot, genre. Ah voilà. Ça se tape entre les deux, mais au même âge, vas-y, c'est. Mais ils sont pareils. En fait, ils sont pareils. Non, là, je suis pas loin. Wesh. Question qui fâche pour Hassan. Pourquoi Hassan, il aime trop les rebeux? Là, c'est faux. Ah. C'est faux. Après. Les non, c'est fou, ça c'est le hasard qui veut que moi je suis rebeu, renoi. Oui, mais naturellement, genre t'es plus. Mais après, toi, en fait, non. Lui, c'était plus les tismés à la base. Mais vas-y, il est pas. Je sais pas. En fait. Qui a dit rebeu? Non, mais le fait que vas-y, là, ton gène. Bah écoute, j'ai. Bah écoute, j'ai coupé combien de rebeux dans ma vie? Tu le comptes? Calcule? Bah deux? Bah c'est tout! Basta, qui a dit j'aime le rebeu? Ouais, mais deux, genre. Ouais, genre que deux que tout le monde sait. Ouais. Genre, moi, mon avis, il est que non, c'est Robeu, tu se mets, Bob. Non, pas Bob. Ouais, si, quand même. Mais... Ah on non, oublie pas. Même Renoir, t'es sorti avec une Renoir. Ouais, si, Renoir. Ouais, si. Ouais, mais non, y'a pas forcément style, hein, moi, franchement. Ouais, y'a pas de style, mais moi aussi, j'ai l'impression que voilà, il trace un peu pour les Robeu. Non, c'est l'impression. Robeu un peu tissé. Tête de mort. Double tête de mort. Alors, les frères et sœurs les plus proches entre eux. Bah, moi, Chamila, je pense. En fait, il y a des mix, wesh. Non, en vrai, genre, on partage pas les mêmes sortes d'intérêts. Genre, moi et Chamila, ça va être sur les jeux vidéo. Moi, Hassan, genre, on est à la maison, on parle, on est tranquille. Avec Shino aussi, pareil, on parle des trucs et voilà, c'était genre. On a tous des centres d'intérêts différents. Ouais, mais après, il y a plus de proximité. Genre, Hassan va être plus proche de Shaina que. Ouais, Shaina, que Hassan et Chamila, genre. Ouais, si, avec Hassan, on se comprend. Parce que déjà, au niveau de l'âge, eux deux, il y a un an de différence. Ouais, donc, on se comprend sur plein de choses. En fait, c'est ça, c'est. On s'entend tous bien. Mon mais il y a un centre d'intérêt différent. Je me vois très bien avec elle. Semblant. Deux chats et souris. Ouais. Question pour Mister Hassan. Hassan, t'es plus avec Inès Curly? Non, c'est fini. Bah voilà, c'est fini. Voilà, voilà. Est-ce que tes frères s'entendent bien avec ton mari? Ouais. Y a pas des problèmes. Est-ce que vous avez le même père? Vous posez souvent cette question, mais oui, on a tous le même père. Hein. La génétique, c'est de la loterie, hein. Faut pas croire. La pire méchanceté qu'a subi ta petite sœur? Étant la plus petite, j'ai été martyrisée. Vas-y, ah, bizarrement, elle regarde la scène. Ouais, je sais plus c'était quand, mais j'étais plus petite. C'était un soir. Hassan, il était énervé contre moi. Il m'a mis une grosse gifle dans le dos. Il y avait sa trace de main dans mon dos. Voyez, tu vois comment elle est? Elle va pas oublier, hein. Non, c'est parce qu'elle veut plus aller faire la maline ce soir-là. Non, toi aussi t'as abusé, wesh. Chamila, Hassan, c'est vraiment Hess, le grand frère, là. Tu peux dire Hess. Des fois, pour rien, wesh. Des fois, on dit, wesh, ça y est, Hassan, je t'ai fatigué, là. Bref, ouais, bon. Skinny. Malade. Pour les grands frères, est-ce qu'ils ont été réticents à tes débuts sur YouTube? Comment ça, les grands frères? Ah, vous êtes des fous. C'est mon petit frère, Hassan, hein. Vous oubliez c'est trop, petit, hein. Hein. Moi, j'ai dit croix en temps. Je sais plus, moi, j'ai dit. Moi, en vrai, de vrai. Franchement, je savais même pas ce qui se passait. Voilà, honnêtement, ils calculaient même pas. Ouais, parce que YouTube, il y a 4 ans, c'était pas en mode. Déjà, influenceur, ça existait. Genre, elle a dit, je vais sortir ma vidéo story time et tout. Mais vous, vous on a regardé. Et après, genre, voilà, je fais. Ouais, genre, on va continuer, on voit, ça continue de maquillage, là, et ça, tout ça. Après, on a dit, j'avoue, en fait, c'est bien. Genre, c'est bien si tu continues. Même en y repensant, même quand tu disais bien. Non, viens, on fait une vidéo, tiens. Moi, j'allais. Je faisais la vidéo, je fais une vidéo avec ma soeur. Je fais pas, je m'affiche sur internet et ça va rester toute ma vie sur internet. Je pensais pas à ça. Genre, moi je faisais mon truc et tout. Et même quand je regarde les vidéos d'il y a 4 ans, je me dis, mais en fait, j'étais complètement déconnecté. Vraiment, je suis déconnecté. Même Chamila, quand elle a fait la vidéo, je crois qu'on se rendait même pas compte qu'on s'exposait aux gens. Mais même moi, parce qu'en vrai, quand tu commences, tu te rends pas compte. Quand je regarde comment tu montais ta vidéo, comment tu fais des trucs et tout, c'est après, tu suis l'évolution. En vrai, ça a pété. Donc, on a pris ça en pleine gueule et on était obligé de suivre. On n'avait pas le temps de se dire, ah, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Mais franchement, ça va, tu m'encourageais parce que des fois je disais, putain, là j'ai fait genre 10 000 vues. Après, tu disais, vas-y, bah, c'est rien. Hey, tu verras bientôt, t'auras 30 000, 40 000. Hey, quand elle a eu, je crois, elle venait d'avoir 5 000 abonnés ou quoi. 5 000 abonnés, c'est quoi ça? C'est rien du tout. Genre, quand t'auras 50 000, tu vas venir, t'as 50 000. Elle a eu 50 000, juste.
Attends, quand tu auras 300 000 là, tu vas me dire. Eh, ça... Ouais, non, c'est vrai, il était comme ça. Ouais, mais vrai, il était le... pas en mode. Genre en mode, on était pas là, ouais, c'est quoi, tu fais quoi et tout, ouais, arrête. Je sais pas, on était à l'école tous. Il y a jamais de problème quand on est dans les événements, ça, je dis, ah bah en fait. Elle est beau là. Puma. Ouais, je dis, ah ouais, en fait, c'est bon, fais des bails. Même quand on a commencé à manger gratuit dans les restaurants, on comprenait pas ça, vous savez, qu'est-ce qui se passe. Question de comme, couscouma ou mkacha futcha? Couscouma, wesh. Ouais, couscouma. Alors, je mange pas trop mkacha futcha. En fait, c'est bon. Ouais, moi aussi, quand j'ai goûté, je me suis dit, en fait, ça sent bon, genre. C'est... Non, mais c'est bon tout court, genre. En mode, c'est une texture, c'est un nuage. Pas c'est bizarre. Ouais, c'est mais bon. Couscouma, quand même, je suis désolé, tu peux pas. Y'a pas de débat. Qui a été l'enfant le plus compliqué de la famille? Genre, celui qui se faisait goumer tout le temps. Après, il se faisait même pas goumer. On m'a jamais frappé. Mais genre, attends, juste compliqué. Le compliqué, c'est Hassan, ouais, Hassan. C'est toujours celui qui ressort, genre en mode, même les tatas. Ah, Hassan, ouais, tu vois. Enfant perturbateur, ouais. Tu connais. Mais au final, c'était l'attachant, l'enfant attachant aussi. Genre, tout le monde le kiffait. Le plus gentil en vrai. Bah, nous sommes gentils. Ouais. Je suis vraiment gentil. Ouais, alors, tes frères sont en couple? Des réponses timides, hein. Je voulais pas assumer. Non, c'est pas question de assumer ou pas assumer, c'est juste moi je suis pas dans montrer tout ça maintenant. Ça y est, genre en mode. Tu vois, je suis pas. On va pas me dire ouais, t'es sorti avec qui, ouais, t'aimes trop ça, allez. Eh, laissez-moi. Si vous voulez savoir, il y a un endroit où vous pouvez savoir tout ça. Sur mes lives, sur Twitch. Ah ouais, il a lancé son truc. C'est ouf, t'es malin toi. Il a placé son bail. Non. C'est là où vous pouvez tout savoir sur moi, genre. Ouais, c'est du tout. Coup, suivez-le sur Twitch. Mais en vrai, le mec il passait. Venez pas pour poser des questions, vous cassez. Hein. Mais en vrai, non. En vrai, oui, j'ai une copine. Et du coup, vous voulez des détails en plus? Comment Non, ça non. Ça non. Non, vas-y, ça on garde. C'est un secret, mec. Ça on garde. Ouais, ouais. Moi, je suis en couple, moi j'assume, je suis en couple, je suis amoureux, voilà. Oh. Et voilà. Et tu vois, déjà, il va dire comment t'es amoureux déjà alors que t'es dans l'autre. Tu vois, déjà, il va dire. Ouais, c'est ça, je veux pas. Mais oui, je comprends. Alors, Shamila aimerait être sur les réseaux Insta, YouTube plus tard. Ah ouais? Mais à un moment, quand tu me disais grave, tu voulais. Hein. On va faire des collabs ensemble avec Shamila, on va jouer ensemble. Ouais. J'avoue, truc de jeu, en plus les filles elles jouent pas vraiment. Putain, il est. Je suis vient de se réveiller, moi j'ai des bonbons. Mais c'est pas, c'est une skin. Bref, du coup, pourquoi ça t'intéresse pas? Mais en fait, si, j'aimerais bien, mais j'aimerais. Elle voit la pression que t'as et tout, non? Ah, elle veut pas être toute seule, peut-être elle aimerait des copines, des trucs comme ça là. Non, mais genre, je pense qu'elle veut pas être livrée elle-même à faire ces trucs, genre. Ouais, je vois. Après, moi, je trouve qu'elle a pas trop l'âge, hein. Non, non, c'est trop jeune ça. À quand le prochain mariage de la famille? On pose une question là. Ouais, des réponses timides, des. Moi je pense à Hassan. Pourquoi? Je sais pas, je. Non. On va remettre les choses au clair. Ça fait combien de temps avec sa meuf? Ouais, mais arrête. Non, Ayal, lui. Alors que toi, ça se voit que même si t'es en couple depuis genre même pas un an, tu peux. Tac, allez, vas-y. Parce que toi, tu te désactives vite, genre en mode bon, vas-y, carrière, nan. Ah là, tu vas faire. En fait, j'ai été marié. Moi aussi, je me marie. Genre, tu vois, non. Tu peux se matricer d'un coup comme ça. Non, mais dans la logique des choses. Oui, dans la logique des choses, c'est Ayal. Dans la logique des choses, je dirais moi, mais. Bah oui. C'est à toi de te marier. Moi, j'ai le temps, moi. Je suis pas pressé, moi, personnellement. Mais après, lui non plus. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Bah écoutez, on fait un vote. Ouais. Ou quoi? Qui va se marier le prochain? Vas-y. 1, 2, 3. Même lui, c'est en fou, lui. Vous devenez quoi dans la vie de tous les jours? Vous allez chacun votre tour. Qu'est-ce que vous mangez? Aïe, aïe, aïe. Moi, bah, j'ai lancé mon truc Twitch. Je crois que je vais taffer à côté. Là, pour l'instant, je taffe pas. Genre, en mode, j'étais vraiment. Mais tu touches quand même de l'argent vu que t'as le chômage. Ouais, j'ai taffé avant. Du coup, j'ai le droit au chômage, tout ça. Et en même temps, à côté, je lance mon activité Twitch. Et après, on verra où la vie nous mène. Ok, chiard. Bon, toi, t'es à l'école. Hein. Collège, mais y'a rien qui change. Tu passes en quelle classe? Cinquième. Oh. Cinquième. Incroyable. Bref, à toi. Moi, venez sur Instagram, vous allez voir. Ouais, en vrai, les questions comme ça, tant qu'on est heureux, y a pas de problème. Y'a pas sur Instagram, des. Ouais, voilà. Et sur toi, Instagram. Gina? Toi aussi. Bah, moi, j'ai fini l'école et je suis en mode YouTube, Insta, tout ça, réseau, ma meilleure vie. Ouais. Alors, quel métier voulez-vous faire plus tard? J'ai jamais demandé ça, je vous ai jamais demandé en plus, je crois. Moi, c'est pas quel métier je veux faire, c'est un métier dans lequel je serais bien, genre. En mode, tu fais ça et t'es content de le faire. Bah, du coup, toi, un truc dans les jeux, parce que c'est vraiment ta passion. Donc voilà. Et je préfère, ça c'était la question, tout le monde préfère gagner 2000 et faire un truc que je kiffe plutôt que gagner 5000 et là, je me casse la tête tous les jours, mon gars. Là, moi, je suis comme ça en tout cas.
Ouais, je vois, mais du coup, t'as pas d'idée. De base, je voulais faire des études en ressources humaines, recrutement, tout ça. Après, peut-être ça viendra, je sais pas, mais là, je pense, comme j'ai dit, je vais développer mon truc et voilà. Inch'Allah. Voilà, voilà. Ouais. J'ai envie de devenir architecte, mais je suis nulle en maths. Et aussi faire des mock-up animation. C'est quoi ? Des mock-up ? C'est genre en mode dans les jeux vidéo, t'as les points et tu fais les mouvements des personnages dans les jeux. Ah, c'est ça, ouais, c'est stylé. C'est bien. T'encourages ma fille. Il y a pas qu'une porte dans la vie. Elle a dit elle est nulle en... Elle veut faire du mocap. Si elle arrive à faire actrice ou un truc comme ça, mocap, ça veut... derrière ça vient tranquille. En mode il y a plusieurs... Ouais, faut se trouver le filon. Genre. Prenez même des petites portes pour prendre les grandes portes après. Voilà, faut... Moi, j'ai pas pris de porte. J'attendais trop les grosses portes. Et voilà où je suis maintenant. Et je dois parler au niveau des rêves ou objectivement? Vas-y, les deux. Bon, mon rêve, ce serait d'être rugbyman. Ah voilà, ce serait mon rêve. Quoi? Lui? Il était chaud, putain, en plus. Il a trop de capacités partout, il exploite pas, il s'arrête à mi-chemin à chaque fois. Non, il est énervant! C'est trop un investissement en fait. Ben wesh! Ouais, je veux pas t'investir pour faire ça. En fait, j'avais dû faire ça, mais après, un jour, je me réveillais, je vais dire non, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Après, je vais dire non, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Mais objectivement, il y a un truc qui arrive là. Voilà, mmh. Vous inquiétez pas. C'est quoi? Ah, je peux pas trop dire. Pas dire encore. Oui, si je peux pas dire aussi. Ouais. Hassan, le fait que Shayna soit youtubeuse influence ou pas tes relations amoureuses? La vérité, oui. Hein. Au début, oui. Hein. Surtout au début, hein. Quand elle venait de commencer là. Genre en mode, quand tu... enfin, elle te parlait, elle savait que t'étais... Elle savait déjà qui t'étais. En genre. Fait, la plupart, elle faisait, genre, elle faisait semblant de pas savoir. Après, tu te rends compte qu'elle... Après, elles savent, tu vois. Mais après, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Moi, j'ai toujours profité. Je me suis jamais dit. Je me suis jamais dit, oh, pourquoi je m'en fous, moi. Profite. Ouais, non. Tu es là pour ça, c'est bien. Et actuellement, non. Les garçons, qu'est-ce que vous aimez chez une femme? Wesh. Répondez, hein. Je peux pas se regarder comme ça longtemps, wesh. Elle, le plus important, c'est la complicité. Qu'elle apporte quelque chose sur la table, c'est juste ça. Mais quand je dis ça, c'est pas de l'argent ou un truc comme ça, hein. C'est genre qu'elle apporte quelque chose à la relation, à moi, genre sans que ce soit que un truc, genre. Pas que qu'elle soit belle et qu'elle soit là, c'est tout, genre. Enfin, une complicité, comme moi, que moi je tire quelque chose d'elle et qu'elle tire quelque chose de moi, c'est ça. Ouais, je vois. Sinon, juste la beauté, c'est pas intéressant, hein. Les gens là qui se concentrent sur la beauté, tout ça là. C'est un piège, hein. C'est des meufs belles, nulles, y'a rien dans le crâne, c'est pas même pas marrant, pas forcément rien dans le crâne, mais quand tu lui parles, il se passe rien. Y'a rien, genre, elle apporte rien, genre. Moi, mes critères, ils ont changé. Avant, j'étais vraiment basé sur le physique, sur ah, c'est gros, on aime bien. Bon, un peu quand même toujours. Hein. Non, vraiment pas. Moi, mes critères, ils ont changé, je suis plus, voilà. Ce qu'il y a dans la tête, et voilà, pareil comme il a dit, la complicité c'est important, le respect, la manière de parler aussi, la manière de s'exprimer, c'est trop important pour moi, j'ai plus envie de pour moi, donc une fille qui, voilà, qui est élégante, respectueuse, et si elle a la religion qui suit, c'est vraiment le top du top du top. Shamila, que penses-tu de la carrière YouTube de Shayna? C'est trop mimi. Merci déjà, et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça lui apporte beaucoup de choses au quotidien. Toi aussi ça t'apporte, hein. Oui, fais semblant. Et comme elle aime ça, bah, du coup j'espère que ça continuera comme ça, etc. Rien. Ah, encore une question, Shamila. La notoriété de ta sœur a-t-elle un impact sur ta vie sociale, genre à l'école et tout? Oui, si, de temps en temps. Vite fait, mais pas autant qu'au moins. Moi, personnellement, c'est partout où je passe. Et partout où je passe, c'est tout le temps. Ah, c'est le... Et c'est moi, le frère, je vous dis. Là, non, là, je vais vous passer un message. Toutes les filles là, qui dans la rue, elles me disent ah, c'est le frère en échange. Je vous calcule pas. Je sais pas si vous avez remarqué, je vous ai jamais calculé, je vous calculerai jamais. J'ai un prénom, je m'appelle Hassan. Elle dit ah, il y a Hassan, si vous voulez, là, je m'arrête, on pourrait discuter. Mais ah, le frère en échange. Même, des fois, je passe comme ça. En échange. Respect. Ouais, ouais, c'est pas question, tu passes et t'entends, tu vous calcules plus. Je me retrouve même plus. J'entends, mais je vous me retrouve plus. Je me retrouve plus. C'est pas qu'il est méchant, mais c'est qu'il veut pas méchant. De considération. Arrêtez. C'est pas de la considération. C'est juste je suis grave un mec gentil. Tu sais pas quoi dire. Non, c'est même pas question de ça. Moi, je suis pas timide. Je suis grave un mec gentil. Ça veut dire que si vous arrivez à me reconnaître ou voilà, vous dites mon prénom, on s'arrête, on discute. Moi, je me peux. Je vais même passer l'après-midi avec vous. Mais elle est. On est chéri. Ah, elle freine. Non, peu importe ce que je fais. Je suis partout. J'ai l'impression qu'elles sont partout. Voilà. Mais c'est vrai. Ouais, je sais trop. Moi, ça me fait craquer carrément. Il y a des zones que j'évite. Je peux pas aller devant un collège, genre marcher devant un collège. Ah, elle fait l'histoire là. Quelle histoire? CPE là. Oh ouais.
Trop drôle. Je vous explique. Parce qu'il y a un collège qui avait besoin de surveillants. Et moi, j'y vais, tout ça, pour mon entretien, tac, pour passer surveillant, tu vois, dans le collège, du secteur. J'y vais, tac, CPE, tout ça. Ah bon, bah ouais. Eh mes frères, on échoue. Ça va être notre surveillant, là. La CPE, on va voir comme ça. Salut. Est-ce que vous avez voulu faire passer des tests à Ella? Non. Oui. Ouais. Hassan, oui. Hassan, il est comme ça, Ryan, ça m'étonne pas. Shamela, c'est pas trop dur de pas avoir Shaina juste pour toi? Bah, si, quand même, parce que je suis plus habituée à comme avant, tout le temps être avec elle, etc. Bon, après, c'est normal qu'elle soit avec son mari, parce que voilà quoi, sinon, ce serait pas vraiment cohérent, entre guillemets. C'est pas une vraie question, mais Hassan a l'air méchant dans la vraie vie, non? En plus, comme par hasard, là, tu viens de dire, tu calcules pas les gens. Non, il est pas. Il est pas méchant, en mais vrai il peut être méchant. Genre si non tu fais chier. Non mais si, genre en gros, parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment genre gentils, même si t'es méchant avec, enfin ils arrivent jamais à être, tu vois. Hassan lui il sait quand, tu vois. En fait, en gros faut pas jouer avec lui, tu vois. Je sais pas. Mais il est gentil, genre. Je suis très très gentil et voire à l'extrême. Je suis très gentil. C'est son air blasé qui prend là, genre. Mais il aime trop, moi je trouve, il aime trop la bagarre aussi. Non, j'ai changé. Ça ouais. C'était vraiment... Les garçons, si votre petite sœur vous dit qu'elle est en couple, vous dites quoi? Laisse ça. Arrête. Ah oui, qu'est-ce que tu me racontes? Non, elle le dira jamais, je pense. Ouais, je pense qu'elle est dans la discrétion. Comment ça, elle le dira jamais? Elle le fera jamais. Ça ne peut pas. Elle le fera jamais. Mais je pense que c'est Shaina qui sera au courant premier et qui fera les choses dans tous les cas. Nous, on l'œil. Bah, c'est fini. Enfin, non, ce qui est déjà là. Ah, partie 2 là, on voit des vrais. Si vous voulez, on fait ça plusieurs fois. Je sais que Edward Said, il fait ça sur sa chaîne. Genre question en mode. Qui pique. Petite, enfin, de temps en temps, ils font des updates et tout. Donc, si ça vous intéresse, on refait ça. Des updates. Quand vous voulez. On va des questions des mois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Follow sur Insta, mon gars. 500 000. Ouais. Bref, en attendant, à la prochaine. Et prenez soin de vous. Tchuss.